C'est aux politiques de défendre la laïcité et non pas aux acteurs en matière. Ben, je ne suis pas d'accord parce que les politiques au Maroc ne peuvent pas prononcer le mot laïcité. Ils n'ont pas l'audace ni le courage de le dire. Pourquoi ? Ils utilisent le mot démocratie, modernité, pour dire la laïcité. Ils considèrent que le mot laïcité est mal compris, donc ça va avoir des conséquences graves, etc. Donc on ne peut pas compter sur les politiques parce qu'ils manquent de courage. D'un autre côté, les politiques au Maroc, ils sont liés au palais. Ce n'est pas des partis qui ont l'initiative et qui ont l'indépendance et la liberté d'aller de l'avant. Ils attendent des signes d'en haut du palais pour se mobiliser. Ils attendent que le roi dise autonomie du Sahara pour qu'ils commencent tous à travailler sur l'autonomie du Sahara, alors que personne n'osait le dire avant. Ils attendent que le roi dise la mazérité pour qu'ils se mobilisent tous pour la mazérité. Ils deviennent tous à mazérité. C'est des partis qui n'ont aucune personnalité. Sidi Al-Ahzab aussi, سلوك بايخ قامت الأدلة على أنه فاشل زمن طويل وعلى أنه في الأصل من الأساليب الأوروبية اللي جات مع الاستعمار. المسلمين ما كانوا يعرفون هذا. كل حزب عنده البرنامج ديالو وعنده كذا، والخلاف بيناتهم كما قال الله تعالى اختلف الأحزاب من بينهم وعلى الجزيرة وفي جزيرة مشكلة أعلن بأنه مع الدولة ومع هذا. دابا عندما يمتحنون كيبانوا على حقيقتهم، ما كيبقى لا سلفية ولا يحزنون.